C'est un film, hein? C'est un film? Ouais, alors raconte. On est où là? On est en Turquie? On est au Maroc. Non, mais là, quand ceux qui le regardent. En Turquie. Ah, c'est en Turquie, c'est quoi? C'est la télé turque? Kardeş TV. Kardeş TV. Tu dis merhaba. Merhaba. Merhaba, bienvenue, les asdika. Merhaba, Turquie. Merhaba, Turquie. En arabe, salam alaikum, les lunettes, les lunettes, les katagans, les lamas, on dirait que Mohamed est là. On est là, on boit les jus d'orange de pêche. Alors raconte-nous un petit peu tes petites péripéties là, c'est intéressant. Attends là, je bois une petite gorgée. Un petit jus d'orange de pomme. Ah non, 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 c'est un jus d'orange de roche. Je confirme, au Maroc, ça existe le jus d'orange de pomme. Ouais. Une boisson qui s'appelle Hawaï aussi, qu'est-ce que t'en penses? Hawaï, tu la bois, tu pars à Hawaï. Tu vois, elle est chambée. Ouais, moi j'aime beaucoup la boisson Hawaï. J'aime beaucoup le Maroc, on est venu pour tourner un clip. Il s'appelle Arbi Fouderiz, arabe à Paris. Et voilà, moi ma partie, comme je suis d'origine marocaine, ma partie elle se passe au Maroc. Et voilà, on est avec Gokhan qui me fait des inserts, filmer ma partie à moi, prendre des photos. Et voilà, on a bien profité du pays. Il pourra vous dire comment on accueille les gens chez nous. D'ailleurs, au Maroc, là, on est dans un endroit où est-ce que c'est un quartier un peu turc. Il y a beaucoup de Turcs qui habitent ici à Mohammedia, l'UFA. Donc voilà, vous êtes les bienvenus au Maroc. Et Inch'Allah, on viendra faire un tour en Turquie. Inch'Allah. Avec Gokhan. On va aller chez toi. Chez moi? Chez toi, c'est chez moi. Primo! Ah non, on connaît du monde, on crie. Ma parole, tout le Maroc, c'est un truc de malade. T'arrives n'importe où au Maroc, il y a des. Même les keufs, ils nous ont arrêtés. Oh, mystérieux! Eh ouais, frère, je suis le prince du Maroc. Bon, blague à part. Alors, je t'ai vu rigoler de là-bas. Raconte un petit peu tes histoires là. Mes histoires? En fait, j'ai ouvert 4 sociétés. J'ai ouvert 4 sociétés sur la côte voilà, en France, à Cannes. Voilà, vas-y, là, en ce moment là. C'était la guerre un petit peu, t'as vu, parce que vas-y, avec les entrées, la concurrence, les trucs, mais là, j'ai eu des bons retours dans le sens où, voilà, ces quelques derniers jours, on a pété les scores. Voilà, les chiffres d'affaires, ils sont tombés, donc. Ça m'a bien fait rire tout ça. Je rigole, c'est pas vrai. Je rigole. Ouais, des potes à moi, ils ont fait un braquage, ils ont bien réussi. Donc j'étais content pour eux. C'est pour ça que je rigolais, Gokhan. Là, je rigole. Bah, tu rigoles encore, mais les téléspectateurs, ils veulent savoir c'est quoi. Je rigole, parce que tout le temps, je rigole. C'est ça les conneries que t'as pas compris. C'est que ma vie, elle est bien, donc je rigole. Gokhan, les gars. Bah, voilà, ok. Là, je rigolais parce que. Je veux pas leur dire peur dans ma vie. Dans ma vie, c'est tellement pas. Voilà, Benoît, t'en as parlé, on veut savoir. Même si c'est pour toi, je sais que toi là qui regarde, toi-même tu vas trop regarder. Moi, mais je suis un narcissique ou quoi? Je regarde tous mes trucs et tout. Non, j'aime pas me regarder, j'aime bien m'écouter. Moi. J'aime bien mettre mes musiques, m'écouter ou à la rigueur. Mais me regarder, ça fait bizarre. Je me regarde de temps en temps. Dans les clous, c'est-à-dire si je passe à la télé à mon clou, je vais pas changer. C'est bon, t'as capté. Et puis là, aller regarder tout ce que toutes les vidéos, les trucs sur Internet, ouais, c'est ma vie, j'ai fait trop de trucs, mon pote, tu vois, je m'attends. Trop, c'est trop. Il y en a trop. C'est-à-dire, on donne, t'inquiète, moi j'ai confiance, je sais que tout ce que je fais, ça claque. Ugataga. Ah, mais depuis tout à l'heure, t'as vu, tu nous as encore parlé de tout ça, t'as mis la disquette à toute la terre. Mais là, déjà, je leur ai parlé de. T'es outrepassé du sujet, t'as ouvert. J'ai parlé de tout. C'est-à-dire qui, comme moi, en 4 minutes, je peux te parler à combien? 3 minutes 48? Regarde, regarde la vidéo de tout ce que je t'ai parlé là. Du jus d'orange, de ma meuf, du suisse, du mec, de ça. Non, t'as pas parlé de ta meuf. Là, c'est la deuxième fois que tu fais allusion à une autre tierce personne. On veut savoir là maintenant. Bon voilà, je suis venu au Maroc, je vais rencontrer ma meuf. Elle a que t'aima. Je suis venu chercher ma meuf. Shit. Voilà. J'avais besoin de shit. Alors, ma meuf me manquait là, ma vraie meuf. Parce que j'ai plein de meufs en France, mais des meufs, genre. Ma meuf, c'est le shit en fait, je vous explique. Ok, d'accord. On comprend. Et en France, elle a eu. Elle est pas terrible, ma meuf de France. Au Maroc, tu vois, oh là là, qui t'aime, ma poutou, il y a plus de shit. Oh là là. Elle grandit direct ici. Ah ouais, direct, ouais. À la racine, tu vois. On est sur place. Même pas emporté, tu le fumes sur place. Tu vois, c'est comme au McDo. Je trouve que. Ce qui est bien ici, c'est que tout le monde fume partout.
Là, pas partout. Même ça la police, dépend. Dans la rue, marche au milieu de la rue avec un cheval, il est en train de fumer, normal. Ouais, mais des cigarettes, pas des joints. Les joints, il y a que mystérieux dans les endroits, parce que moi, c'est. T'as capté quoi. Si tu vois, tu crois que c'est partout comme ça, tu fumes des joints où tu veux et tout. Ah ouais? T'es fou quoi, c'est juste parce que t'as un quoi après. T'as craqué quoi, c'est juste, je suis presque du Maroc, mon côté. T'as vu quoi. Ah, mais c'est vrai, ça m'a paru bizarre à la télé, je vois pas ça, mais quand j'étais avec toi, t'as vu, je me dis. Tout le monde dans la rue, normal. T'as mal visé. Ouais, t'as vu, je visais que cendrier, hein. Tout là-bas, il y a un cendrier, je l'ai. Ça fait comme au basketball, t'as vu, j'en ai un là, mais je suis là tout là-bas. Et ça a fait. Ça a tombé à côté, ça a tourné comme ça. Et quand il est tombé à côté. Ah oui ou pas? Ouais. Ah ouais, j'ai failli là-bas. Non, voilà, donc on est là, on passe du bon temps au Maroc. On est... Il fait un peu frisqué quand même, le soir. Ouais. Ah bah, mais bien, parce qu'on est juste au bord de la plage, donc tu connais les petits vents. Et donc voilà quoi. Et toi, raconte-nous quoi. Qu'est-ce que tu penses de moi? Je suis marocain, voilà. Voilà. Aïe. Et toi, la vérité, un Turc au Maroc, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que t'en penses? Un Turc au Maroc, ouais. Franchement, c'est magnifique. Ça va foutre la rage à plein de personnes, ça va jalouser plein de personnes. On s'en fout. Franchement, c'est magnifique. Ah ouais, les gens qui sont pas venus au Maroc, ils vont tous être jaloux là. Ah ouais. Ah ouais, hey, t'es venu au Maroc, hey, y a rien à dire. Ça veut dire que t'es venu de la Turquie, France, Maroc. Tout à fait. Franchement, c'est magnifique. L'accueil des gens, extraordinaire. La famille Ayou, c'est tous leur nom de famille, c'est You. L'autre s'appelle Abdel You, Mohamed You. Ah ouais, magnifique. Après, je leur ai mis le tampon. Un accueil de fou, c'est. Talbert. Même le bédou, il s'appelle You, tu m'as dit, non? Le Mister You. Mister You. Ah, la dernière fois, j'ai entendu un mec, il a dit, il est bon, You. Je me suis dit, attends, de quoi il parle? Il parle de You, Mister You? Il a dit, ouais, You. On le fume. Je comprenais pas. Ouais, tu cheats Mister You. Je suis la fierté du Maroc, moi, t'as capté? C'est un truc de malade. Les fumeurs, les trucs, moi, ils...